le plus important, si vous voulez vous associer à des administrateurs, avant d'aller chercher des amis, posez-vous la question, est-ce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance? C'est la règle la plus importante. Vous devez avoir confiance dans votre administrateur. Alors moi, je me dis, si c'est un ami, c'est moins évident parce que vous devez vous donner un certain niveau d'objectivité. Donc, vos administrateurs, idéalement, devraient être indépendants. Cependant, si vous avez un complice de longue date en qui vous avez entière confiance, je veux dire, essayons de balancer puis d'y aller graduellement. Donc, vous avez 3 ou 4 administrateurs sur votre conseil. Ayez une personne en qui vous avez confiance qui est peut-être déjà proche de vous, mais c'est sûr qu'elle n'aura pas cet atout d'avoir un pouvoir de distance puis un certain détachement, une certaine indépendance par rapport à votre entreprise. Allez vous chercher une personne que vous connaissez moins. Ça va équilibrer les choses, ça va vous donner un regard frais, un regard nouveau et vous allez vraiment en tirer profit. L'important, c'est d'avoir confiance. L'important aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui va être capable de nous dire la vraie chose et d'être un peu indépendant à ce niveau-là.